inspecteur normal ? Je peux me poser ? Je suis un peu à la bourre, mais je voulais pas me faire repérer. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ? Un petit café. Tout de suite, monsieur. J'aime pas partager ma table avec des types comme toi. J'ai une affaire à vous proposer, inspecteur. Je fais pas d'affaire. Et même si j'en faisais, j'en ferais pas avec un mec comme toi. J'ai pas non plus l'habitude de fricoter avec les poulets. Mais cette affaire, elle est comme qui dirait spéciale. Du genre tout bénef pour vous, vos chefs et Bibi. C'est rapport à un certain business. Un business ? Disons que j'ai des responsabilités dans une organisation pas trop légale. Le genre d'organisation qui intéresse beaucoup les poulets, normalement. Et moi aussi, pour des raisons qui me regardent. Votre café, monsieur. Merci. Je veux plus être associé à cette organisation pour des raisons personnelles. Mais c'est coton de retirer ses billes de sang de business. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que je commence à piger. Si tu disparais pas, Fissa, tu vas te faire plomber. Tu me gourres ? C'est pas la seule raison. Vous avez de la famille, inspecteur ? Moi, j'ai une femme et une fille. Et je veux pas qu'il leur arrive des pépins à cause de Bibi. Ah ouais ? Moi, je peux pas protéger tous les malfrats de Rital qui font dans leur froc. Fallait penser à ta famille avant, mon pote. Peut-être, mais je suis pas venu les poignes vides. Alors voilà le deal. Le blaze de Salieri, ça vous dit quelque chose ? Salieri ? Et comment ? T'as quelque chose à voir avec cette crapule ? Comme qui dirait. Ça fait une paye que je bosse pour sa pomme. Et maintenant, il veut me faire descendre. Si vous me protégez avec ma famille, je vous balance tout. Les blazes, les dates, les comptes, la totale. Vous pourrez l'envoyer à l'ombre pour perpète. Je suis pas le Père Noël. Je veux bien en causer au chef, mais faut m'affranchir dans les grandes largeurs. Et il faut aussi que je sois sûr que tu témoigneras. Ok, si vous êtes pas pressé, je vous balance mon histoire et toutes les affaires sur lesquelles j'ai bossé. Ça va, j'ai tout mon temps. Crache le morceau.